Le hip-hop, il est arrivé déjà sans qu'on le sache, parce qu'on avait acheté déjà des disques de groupes comme Lexide ou des mecs rappaient dans la musique. On était dedans, mais on ne savait pas que c'était du hip-hop, parce que... Pour moi, c'est de la funk, parler, quoi. Rappeur Dilla, je l'écoutais à l'époque où c'est sorti, ça devait être en 79. On continue à entendre parler que les nouvelles musiques qui arrivent, qui sortent des ghettos, dans le Bronx, New York, tout ça, il n'y a pas spécialement de musiciens, c'est plus un DJ avec un micro. Il y a une danse qui va avec, la danse debout, après on appelait ça Boogaloo, machin, mais au début on appelait ça du Smurf. Mais trois quarts du temps, c'était assez incompris ce qu'on fabriquait, parce que les gens s'attendaient à voir un groupe, ils comprenaient pas bien tout ce qui se passait. Yeah, I'm so old school, new school, là n'est pas la question.